Monsieur le Président. Monsieur. Monsieur le Président. Répondez-moi, bon sang. Ici. Madame Suarez. Ouais, monsieur le Président. C'est grand vite. Ici, madame Suarez, avec moi. Maya, venez, le Président est avec vous. Je sais pas. Ça pèse des temps. Ici. Bonsoir, monsieur le Président. Tiens-moi là. Courage, Maya Zoni. Qu'est-ce qui s'est passé? Une bombe. Non, trop long. Un tremblement de terre, plutôt. Bon sang, de bonne, bon sang. Sécurité, ici, Amazon 1, quelqu'un m'entend? Bienvenue sur le site des Arrêts de Guerre, les archives nationales de la République libre et démocratique du Guatemala. Aujourd'hui, 26... C'est Clarissa, ma père opératrice. Le grand discours d'investiture. Elle s'est mise en route toute seule. J'ai mal, madame Suarez. Frigate en direct des Arrêts de Guerre. Pourquoi avoir choisi les Arrêts de Guerre? Ça doit venir de votre global. Justement pour célébrer l'ouverture d'un des lieux les plus secrets de notre pays. Notre défunte junte militaire. Les dossiers des disparus des 30 dernières années seront, sur ordre de notre président Reagan, rendus publics. Et les MST, les minutes de séance de torture, ainsi que les mécanismes, les modes d'exécution capitale impliqués aux opposants politiques restitués aux familles. Pour autant qu'il en reste. Il reste actuellement. Veuillez patienter. Pourquoi avoir choisi les Arrêts de Guerre? Tout simplement pour célébrer. Montez du clavier de régler. Maya Sony, votre global, essayez de l'atteindre. Clarissa, appelle secours. Appelle prioritaire. Veuillez patienter. Pour se servir de ce bloc. Appel prioritaire. Sur le feuillet de cellule 8 de la feuille. Toute cette biosynthèse me dégoûte. On n'a pas de. Soulevez ce bloc. Je pense que je pourrais glisser vers vous ensuite. Clarissa! Malvel! La possibilité de mettre en veille un perso-opérateur en tant que personnalité de biosynthèse a suscité lors de son ingénierie un débat épistémologique qui a largement dépassé le cadre de la programmation biosynthétique. Afin d'endiguer les milliers de groupes de pression à travers le monde, principalement des mouvements rétrogrades de vieux philosophes, gauchistes, alarmistes et aigris, il a fallu définir précisément ce qu'était un perso-opérateur, une perso-opératrice, et circonscrire son libre arbitre dans le simple champ de l'émission des données, informer sans juger.